Elle est au cœur de l'actualité. Depuis plusieurs semaines, Loana fait beaucoup parler d'elle, notamment à cause de sa récente hospitalisation. Sur le plateau de Touche pas à mon poste ce vendredi 12 mars, Christophe et Julie, deux anciens candidats du Loft Story, ont évoqué la jeune femme. Dans le loft, il y avait déjà cette bipolarité, elle passait beaucoup de temps dans la chambre seule et elle était là sur les moments de fête, dit d'abord Christophe avant d'affirmer, elle a ce manque sentimental qu'ont un peu tous. Il indique ensuite que seule Loana cesse de raccrocher à la notoriété parce que, comme elle le dit, elle n'a que ça. Des propos confirmés par Julie, je l'ai eu au téléphone assez récemment et on lui propose de façon assez récurrente de venir à la maison mais elle ne peut pas. Elle me dit qu'il faut que je comprenne qu'on a notre bonheur et notre famille. On est considéré comme l'ombre bras alors qu'elle cherche la lumière, indique-t-elle. Des propos durs mais vrais, confie-t-elle. Elle le dit. Être en retrait ne l'intéresse pas, elle veut être dans la lumière, conclut Julie. En février dernier, Loana était transportée en urgence à l'hôpital dans le Var. Selon son entourage, elle aurait ingéré une forte dose de GHB et cette overdose l'aurait plongée dans un état très grave. Dans les colonnes du Parisien, l'ancienne candidate du Loft Story est revenue sur cette épreuve qu'elle a qualifiée d'erreur de parcours. Bien décidée à rétablir la vérité, elle affirme, j'ai pris trop de médicaments, c'était une intoxication. Il n'y avait pas de drogue comme ça a été dit. Sans donner de nom, elle indique, juste quelqu'un que je pensais être une amie, m'a donné trop de médicaments. Une référence indirecte à Sylvie Ortega, que ses proches n'ont pas hésité à pointer du doigt comme étant la responsable de cette récente hospitalisation. Consciente de la gravité de cette étape, elle confie, j'ai fait plusieurs heures de coma, j'aurais pu y rester avant de conclure, ce qui m'est arrivé récemment m'a appris que la vie était encore plus belle. Ça m'a fait du bien après une longue descente aux enfers, il semblerait que tout aille mieux pour l'ancienne candidate du Loft. Son hospitalisation, elle a indiqué l'avoir vécu comme un moyen de se ressourcer et de revenir plus forte. Ça m'a fait du bien. Je ne ressors mieux, confie-t-elle avant de préciser, je me suis détendue, en fait. Je peux même vous dire qu'à l'intérieur d'une clinique psychiatrique, les gens sont moins fous que ceux qui sont dehors. Ils sont plus sincères, dit-elle. La jeune femme a également indiqué pouvoir compter sur le soutien de son ami Nicolas, avec qui elle a un projet, celui d'ouvrir un cabaret à Cannes, conclut-elle.